Alors pour ceux qui me suivent sur ma page Marie, l'histoire de malvoyante, savent qu'en ce moment je prends un médicament qui fait que je me sens un peu pas super bien. Alors du coup j'aurais voulu vous faire expliquer un peu les lieux. Je ne sais pas si vous entendez à cause du vent, mais comme je me sens pas super bien, je vais la faire courte. Je suis à San Benoît des Portes Ouvertes, qui est San Bento de la Porta Ouverta, qui se trouve au Portugal, qui est le deuxième lieu le plus visité après Fatima au Portugal. C'est un lieu saint, on vient faire des offrandes. Alors la légende veut qu'on vienne lui faire un souhait et qu'on lui dise que dans quelques temps on reviendra lui faire une offrande si notre souhait est réalisé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour l'histoire de la porte ouverte, on peut lire sur internet que si les portes sont ouvertes de cette église, c'est que c'est pour venir, comment dire, c'est pour les voyageurs qui viennent, les portes sont ouvertes pour les accueillir. Moi j'ai une autre histoire à vous raconter, c'est la légende locale qui dit qu'un jour un voleur a voulu venir voler dans l'église et qui s'est retrouvé avec la main coincée, donc a perdu sa main, et depuis les portes sont ouvertes. Donc on y va, on va aller visiter ça et je vais vous montrer tout ce que je peux filmer. À tout de suite.